tous les arcs sont terminés. Les arcs, les chapiteaux, les trumeaux, les jambages, les bases, là, je crois qu'il nous en reste deux petits parce qu'ils nous ont rajouté. Et en partie haute, après on a fait les jouets, il reste quatre jouets intérieurs. Après on doit faire une eau forte comme la salle des cloches, qui elle est terminée. Voilà, ça fait 8 mois et puis là on est de retour avec l'équipe de la grue. Là nous avons préparé le support qu'on appelle le beffroi. C'est la charpente en bois qui va soutenir les cloches. Et la première opération qui va être faite en levage par la grue, c'est les poutres sommières. En haut au clocher, dans la chambre des cloches, il a été créé des empochements. Et ces empochements vont recevoir les premières poutres qu'on va monter. Le beffroi doit être libre dans la maçonnerie, c'est pour ça que je vous ai parlé de ces empochements. Ces empochements, donc, ils seront aérés autour de la poutre. La poutre, à l'extrémité, elle est habillée d'un petit bitume pour la préserver contre l'humidité et d'une feuille de plomb qui va permettre de l'isoler aussi sur la maçonnerie. Donc quand tu auras le mouvement de l'ensemble des cloches en balancement, en réalité, le beffroi, le support complet, sera mobile dans le clocher. Donc aucune répercussion sur l'ensemble de la maçonnerie du clocher. Une fois qu'on aura mis ces poutres-là, on va préparer un assemblage de poutres qu'on appelle des fermes, avec des croix de Saint-André qui correspondent à chaque voie qui va supporter chaque cloche. Voilà. Donc là, les trois premières poutres en chaîne massif, chacune d'elles fait 1 tonne. Et ensuite, chaque ferme assemblée va faire à peu près 1,5 tonnes. On a bouché toutes les fissures, il y avait la clé de voûte qui était vraiment dans un très mauvais état. Donc là on avait pas mal de photos, donc après on a percé de part en part. On a goujonné toutes les pierres, tous les arcs en fait, les croisées d'ogives. En fait on a percé la clé de part en part et on a mis une platine dessus et dessous. Il va y avoir, il y a la présentation là des cloches et puis ensuite vers 10h il va y avoir la bénédiction des cloches puisqu'elles ont été restaurées. Et donc, on va redemander à Dieu qu'elle sonne et qu'elle chante justement sa louange à nouveau dans toute la ville de Lodève. Saint-Flour, bénis cette cloche qui est le patronage de la Sainte-Croix. Je pense que ça se passe tous les 200 ans, puisque la dernière fois c'était 1932, ça va faire 100 ans, et c'était pour l'installation du Grand Campan, mais sinon ça s'est échelonné depuis 1631 ou 1661, je ne sais plus. Et parce que normalement, lorsque justement on enlève des cloches, on les fait sonner une dernière fois, et là je pense que peut-être on va les faire ressonner une première fois, puisqu'elles ont été restaurées. Donc il y a eu, non pas un changement d'état, mais une amélioration. Et donc on va les faire sonner pour que les gens puissent se dire maintenant, elles vont à nouveau sonner. Donc on va demander à Dieu à ce qu'elles chantent sa louange et elles appellent les gens justement à la prière et en même temps aussi à le rythme tout le temps des citoyens. Et ça c'est formidable. Pour moi c'est un bel exemple de j'allais dire du mélange du divin et du profane, du religieux et du civil, où on se retrouve ensemble pour voilà, un événement qui marque toutes les consciences et qui marque la vie des citoyens. Thank you.
donc il y a encore le gros dallage là-haut. Ce point ici de voûte et à l'intérieur de changer les pierres. Le dallage qui reste en bas. Les corniches, la corniche du bas. Ça, d'ici Noël, les bandeaux seront terminés. Je pense que la salle du haut aussi seront terminées. La terre cuite. Et après, on pourra démonter là. Je représente ici la région qui a participé au financement de ces travaux et qui est le deuxième financeur après l'État. Alors, j'ai suivi le chantier depuis le début, comme tous les Lodévois. J'ai vu ce chantier évoluer, j'ai vu la montée des grues, j'ai vu les travailleurs s'affairer et puis les architectes travailler autour du projet. Et puis ce matin, j'ai pu assister à la montée des cloches, un moment qui est unique dans la vie des habitants du territoire et qui nous rappelle que ce monument qui est là, cette cathédrale qui est monumentale, elle fait partie de notre quotidien, mais nous y posons aujourd'hui, grâce à ces travaux, un autre regard. Parce que des fois, la beauté, elle est près de nous. Elle fait partie de notre quotidien. On entend les cloches. Hein, depuis mon enfance, moi qui suis habitante de l'Odève, j'entends ces cloches. Et ça, c'est important aussi de se rendre compte que c'est pas de l'acquis, en fait. C'est pas de l'acquis. Et de réaliser la chance que l'on a d'avoir cette si belle cathédrale au centre de l'Odève. Mais à un titre culturel, ici, je représente la présidente, Carole Delga, mais aussi Claire Fita, qui est vice-présidente à la culture et dont le patrimoine fait partie. Ça fait partie de cette direction-là et nous travaillons sur la valorisation et la restauration de ce patrimoine qui fait partie, en fait, qui permet de mettre en valeur les éléments remarquables d'un territoire. Cette cathédrale fait que l'Odève est l'Odève, que le Lodévois est l'Arzac et le Lodévois est l'Arzac. On vient ici parce que nous avons un musée, parce que nous avons une cathédrale, parce que nous avons un monument aux morts. Et ce patrimoine-là, il est très important pour attirer les visiteurs et également pour notre bien-vivre au quotidien. C'est un spectacle qu'on ne voit jamais, donc c'est extraordinaire de vivre ça. Et même la population, on fait venir les écoles. Je pense que les enfants se souviendront, dans leur vieillesse, ils pourront dire « Ah, on a vu la remontée des cloches dans le clocher restauré ». Et on reviendra pour finaliser, faire l'électrification. Donc c'est apposer sur chaque cloche des moteurs qui vont permettre de les faire sonner avec les automatismes. Voilà. Et aussi l'horloge. Puis on se retrouvera en avril pour l'inauguration avec tous les officiels, les financeurs, toutes les collectivités, institutions qui ont participé à ce grand chantier. Et puis ce sera en avril le moment pour la population de pouvoir monter en haut du clocher et faire cette visite assez extraordinaire du haut de l'aire Belvédère qui est en train d'être aménagée. Donc ça, ce sera le deuxième temps. Et puis au mois de mai, 18 et 19 mai, là ce sera un temps plus festif, une grande fête autour de la cathédrale et de notre palais épiscopal, une fête en lumière et en feu.